Martin Luther King, c'est un nom où t'en dis déjà. Et où t'en dis un pile tout. Raison, hein? C'est parce que citoyen ça, pendant le passage de sous terre, te font gros gros travail. Pour ça, faut qu'on connaisse la vie, gens de monde ça. C'est ça que fait. Nous pourrons le présenter ou tout ce qu'on connaît sous la vie Martin Luther King. Pour ça, on a posé cette question. Qui citoyen ça? Martin Luther King. Non le complet, c'est Martin Luther King Junior. Pour qui ça le gagne Junior là-dedans? Eh bien, papa il t'a relé Martin Luther King tout. Papa, c'était Martin Luther King Senior. Et puis, petit là, moun nous pral parler de l'IA là, c'est Martin Luther King Junior. C'est au mardi 15 janvier 1929, Martin Luther King Junior fête dans Atlanta, dans le pays États-Unis. C'était le premier garçon famille. Maman, c'est Alberta Williams King. C'était une famille noire. Alors, si une famille noire, États-Unis, là, ne sa ou m'a dit nous là, famille, c'est doulé. Papa Martin Luther King, avec tout grand-papa le soubo, maman, c'était pasteur. Il a dirigé l'église Baptiste Ebenezer dans Atlanta. Donc, c'est une famille chrétienne, cap ben en Christ. Pour qui ça, non, Martin Luther King, nan même? En réalité, il n'est pas relé Martin Luther King. L'heure était faite là. Il était relé Michael King. C'était même nom avec papa. C'est non ça qui était soit de naissance. Li. En 1934, papa Martin Luther King pour aller faire un voyage dans le pays Allemagne pour l'Alliance Baptiste Mondiale. Et puis, monsieur pour aller faire connaissance avec non Martin Luther, non au niveau tête charge. Martin Luther, ça entendit là, c'est un nom qui a la base religion protestante. C'est là, papa Martin Luther King pral décider de faire un changement dans nous. Côté il pral ajouter Martin Luther la kembe King là qui était signature. Qu'on y a vinn Martin Luther King Senior pour papa et puis il pral changer nos petites là tout en Martin Luther King Junior. Gen sous qui fait connait tout papa pas jamais fait changement avec de naissance petite là. Gen l'autre tout qui dit c'est à 28 l'année, yo t'ai refait avec de naissance toute cause ça yo. Pour l'école, c'est en septembre 1935 à 6 l'année, King t'a pral rentrer dans l'école pour première fois. États-Unis qui sont en prise ségrégation raciale à l'époque ça yo, c'était dans l'école pour noirs qui était obligé aller. En 1940 à 11 l'année, King pral rentrer dans l'école de laboratoire de l'université Atlanta. Là, il pral apprendre jouer piano, apprendre jouer violon, deux cours tant cours histoire, anglais, il pral très bon là-dedans yo. En 1942, il pral rentrer dans lycée Booker Washington. C'était seul grand lycée qui était pour afro-américain dans ville là. Dans le lycée, ça, King t'a pris à le faire non. Dans le palais en public, yo dit, l'homme, ça, très bon dans ça. Depuis qu'il y a un débat, ou pas, King, dans l'équipe, eh bien, pas, ou pour perdre. Pour carrière professionnelle. Après, King finit avec études classiques, li, en 1944 à 15 l'année, King pral rentré dans Morehouse College. L'école, ça, qui était tradition. Avant d'entrer là-dedans, y était un chantabac qui était associé à qui, faut qu'on travaille là-dedans. Mais, y a payé. C'est là, King t'a pas le travail dans chantabac. Coleman Brothers Tobacco. Dans Connecticut, entreprise là-dedans. Monsieur pral fait 7 sur 7 à 4 dollars américains chaque jour. Après, monsieur pral rentrer dans l'université. À côté, il pral passer 3 années dans sociologie. Ensuite, il pral quitter pour aller concentrer sur le ministère chrétien, pour aller bailler parole Christ là. Comme papa était déjà pasteur, a dirigé l'église, lui-même dû pral rentrer d'emblée dans l'activité. Après diplôme sociologie, ça, King pral dit tout coup pour le prendre là, il faut le gagner rapport avec religion. C'est comme ça qu'il pral rentrer dans l'école théologie, Causeur Theological Seminary, dans Pennsylvania. Il étudie là, sorti 1948 pour arriver 1951. Après, il sorti avec diplôme théologie, il pral rentrer dans l'université Boston pour études doctorales. Pendant temps ça, tout, il pral fait du travail dans l'église baptiste dans Boston. En 1954, à 25 l'année, King pral arriver dans la ville Montgomery, dans l'État Alabama. C'est là qu'il pral nommer le pasteur dans l'église Baptiste Dexter Avenue. En 1955, c'est là que King pral mettre fin dans l'étude doctorale. Il pral gagner titre docteur. King pasteur la baye l'évangile là. Mais en même temps, il pral lancer dans une carrière militante. C'est carrière militante, ça tout qu'il pral faire, nous connaît non ça jodi à la Martin Luther King. Ça qui t'est passé, bon me dis-nous. En 1865, Martin Luther King peut même penser s'il t'a fait. Il a été aboli esclavage officiellement dans les États-Unis dans 13e à 14e amendement qui pral baye tout moun droit yo. Mais avec tout ça, monsieur n'a état en studio pas jamais changer comportement vis-à-vis noir yo, même si pas gain rien légal pour gérer ça, mais eux même yo vraiment hostile envers noir yo.
Et là, en 1877, Monsieur Parlement est dans le studio pour venir avec une loi. Loi Jim Crow, qui pour venir avec ségrégation, avec séparation noir et blanc. Dans toute activité, l'école, restaurant, transport, toilette publique, salle cinéma, noir gen pal, blanc gen pal. Mais pas oublier, noir pas gen pouvoir légal vraiment. Moun ka fait loi, c'est blanc. Moun ka dirige pays, c'est blanc. Donc, noir pas gen service vraiment qui pour lui, pas gen service qui bon qui pour lui. Donc, noir là a passé misère. Et c'est comme ça pour aller gagner quelques noirs qui pour aller dire, yo pas qu'à continuer à vivre comme ça, yo commencer à faire petit mouvement pour réclamer droit yo. Eh bien, Martin Luther King Jr. pour aller faire dans le contexte de discrimination raciale ça dans le pays États-Unis. Et depuis le King Tegan 6 l'année, il était commencé à subir cause yo, il était bien avec un petit garçon, parent était blanc, et bien parent un jour pour aller dire petit, comme ça, puis il joue avec petit lit parce que c'est blanc, King c'est noir. C'est là tout, parent lui pour aller commencer à raconter King. Histoire esclavage à question raciste et King pour le dire lui-même li pa gen droit jamais remet moun ki blanc et la parent pour le dire King c'est chrétien ou doit remet tout moun. Et pendant King a grandi tout t'a pas le papal qui pral participer dans mouvement contre ségrégation hein. King pral le papal la police pral arrêter pour mouvement ça yo gen un événement King pral vivre pendant le dans lycée qui pral marquer toute la ville il saute l'école il saute non concours saute gain concours la rentrer la caille li prend bus un professeur qui noir tout est là. Et puis pendant le monte bus là au Chita et chauffeur bus là dit faut nous lever parce que il y a un blanc pour le Chita là. King non premier temps, il pas de lever. Et puis professeur dit nèg pas si vous pas lever, c'est loi ou violé. Bon King parle obligé contre lui-même. Après King parle écrit pour le dire nuit ça pas jamais sorti dans mémoire. Yon vague colère et envahil que le pas jamais senti avant. Pendant troisième année dans l'école théologie, King te gen un petit boubout qui était blanche que le terrain mis ensemble avec lui. Qui te gen origine allemande. King te même gen projet pour l'aller marier avec Tigengen nan. Oh, maman, papa qui me dit, ah, pas franchi, non. Faut que nous évitions faire mariage qui va soulever collègue groupe noir et blanc. Et là, King va dire au partenaire, tellement maman l'a crié, il pas voulu mariage, il est obligé la guette blanche là. Eh bien, faut même, c'est toute raison ça qui va le faire. Martin Luther King va en gros militant pour voir si le système ça te kakaba. Depuis dans lycée tout, il était en à faire petit discours contre système ça, quand il t'a dit Simonio, dans l'Amérique vive là noir toujours gen chaîne nan nan pied yo. Mais c'est l'elle pral nan tête l'église d'extérieur nan Montgomery nan Alabama cause a pral brancher. King pral just qui vient dans tête l'église là prêcho pral porter sous cause noir yo. King pral commencer à faire parler de lui sérieusement dans ville là. En 1955, système ségrégation pral commencer vraiment souké. En mars 1955 nan Montgomery, yon ti fille Claudette Colvin dit li pape levé bayon blanchita la violé loi Jim Crow lan. King pral pencher sous ca ça pour l'utiliser pour commencer à faire manifestation pour mouvement commencer à fête en flèche ça pour jamais. En décembre 1955 nous pral joindre dame ça qui est Rosa Parks qui lui même qui monte en bus et il dit même li pape levé bayon blanchita. Yo arrêté là pour là, fait le payer amende et là nous pral commencer prendre la rue tout bon et la King pral prendre tête mouvement ça yo et avec King en tête mouvement ça yo, yo pral mettre une stratégie sous pied, c'est boycotter compagnie bus dans ville là pour personne pas monter, on a tout on a prend route à pied et moun qui gagne l'autre machine arrange yo bay moun ou libre et là pral m'a comprendre coup suprême nan pral bay compagnie auto et en plus de ça compagnie yo pral commencer à faire faillite et c'est là que yo pral commencer compliqué le fait que King c'est moun qui est en prend tête mouvement surtout dans question boycott et compagnie bus yo li commencer à recevoir menace sous menace et là ou pral même attaquer la kayli bouler la kayli ou pral bouler plusieurs l'église noire à mouvement gâté et là pour là ou pral arrêter King bon konn cause il a commencé chaud yo pa ka kimbel on a King vinn porte parole mouvement noir pour droit civique un mouvement qui était juste dans petite ville pral prend tout États-Unis pour lui. Martin Luther King pral marcher de ville en ville à courir mouvement protestation ça. Et là nous vient en 1957, il pral fonder SCLC, Conférence du leadership chrétien du Sud avec quelques autres personnalités noires tant que Ralph Abernathy, Fred Schulwolf, Joseph Lowery, groupe ça fondé pour qu'a bien mener manifestation dans la ria. Et groupe ça tout pral rentrer dans Big Five qui te gain la donne NAACP et National Urban League Student Nonviolent Congress on Racial Equality. On a tout ça pour le mettre ensemble pour prendre la rue chaque jour.
pour dire nous-mêmes faut nous gagner droit à nous noyau. Martin Luther King en plus de pastoralité et bien était inspiré tout de mouvement de monde tant que Gandhi qui pas fait avec violence Henri David Thoreau et Latrier. Mouvement pral prend une autre dimension personne pas t'attendre bon dit nous. 28 août 1963 dans tête yon marche Martin Luther King prend direction Washington DC pour la dit gouvernement fédéral prend responsabilité et c'est là devant foule plus passer 300 000 moun, yo di c'est pig gros marche qui était jamais organisé dans capital pays États-Unis. Il pral bay yon discours et c'est là phrase ça pral vini I have a dream. Là il pral di m'a dit nous ça jodi à la zanmi yo, même si nous a confronté à tout problème ça yo, mais moi rêve un jour quatre petites moun yo a vivre dans une nation côté pas juger sous couleur peau yo, mais a juger sous ça yo yé. Moi rêve un jour dans Alabama, ti noir ti blanc a bay l'anmen comme frère ak sœur. Yes, I have a dream. Discours ça redou c'est pilier mouvement pour droit civique dans pays États-Unis. Il était un discours mythique. Pendant tout reste 20e siècle là, ces discours ça été considéré comme discours qui plus puissant yon leader prononcé. I have a dream, t'es une expression tout célèbre dans tout États-Unis et reste monde là. Et pour un pile expert, discours ça a tout mouvement Martin Luther King t'a mené, t'es prêt à contribuer dans ça pour arriver dans pays. Attendez, en 1964, Congrès a prêt à voter Civil Rights Act, une loi qui prêt à interdire toute discrimination sous question race, couleur, religion, sexe. Ça son première victoire, ça pas campé là. En 1955, ils mettaient dehors Voting Rights Act qui prêt à bail Afro-Américains ont droit pour y voter. Ah, c'est gros lobe, gros victoire pour nous. Et King tout le parle, il y a un amel. En 1964, il parle plus jeune monde qui recevra prix Nobel de la paix à 35 l'année. Mais famille, tout ça entendu au la matin qu'il y a fait, mais pour personnalité, toute l'Amérique qui remet. Parce que il voulait écraser l'ordre qui établit, il dérangeait l'intérêt, surtout monsieur dame dans le sud. Eh bien, monsieur, ça après le fait, ça au qu'on est pour t'écraser King. Mais King dit, pas grand rien, carampil. Ou t'as dit, à quoi 1965 là, nous au final l'aise, mais le pas de fin qu'on savait parce qu'il était juste sous papier, mais réalité terrien était différent. C'est ça qui fait King pral pousser bataille là toujours. King dit bataille ça c'est une bataille qui a privé jusqu'à combattre pauvreté dans mitan noyau. Faut que gagne une égalité réelle. En 1966, Martin Luther King pral mener un mouvement dans Chicago. Côté pral prendre doit être sous système qui a fait noir victime à cause de questions caille pour louer, problème travail pour joindre problème. Donc réalité a toujours battre et après, nous avons joué au Martin Luther King tout, qui t'a campé en face de la guerre Vietnam. En plus, la boum est pour droit noir, la boum est pour droit tout le monde. 4 avril 1967, il pral bay un discours qui pote non Beyond Vietnam, dans la ville New York. Li mande pour mettre fin nan moun yap mette à terre nan combat sa yo. Donc, c'est pour montrer nous nan ki niveau j'étais impliqué, li pat peur rien, donc li sacrifié pour cause là. Et pour tout engagement sa yo tout, Martin Luther King pral prendre un pile frappe, yo pral arrêter le mettre en prison n'est pas 30 fois pour question faire manifestation, désobéir la loi. Yo essayé tout yel plusieurs fois. Tant coup, en 1958, pendant l'on t'a fait un 25 ans yon livre nan Harlem, yon dame paret, li vou un couteau sous li, foup, déjà ou dépense le tap mouri parce que couteau a te al touche gros vaisseau li yo. Après ou pral di oui dame nan, te malade nan tête. Et pendant King a goumé contre loi Jim Crow lan, gen moun kap défend li. Donc li vin gen de adversaire, te gen un groupe sa ou ki re les gens ou em écrit la la. Groupe monsieur sa ou te mette yon en blanc suprême. C'était merveilleux de qu'on fait nan mitan noir, yo attaquer yo, touer yo, bouler kayo. Monsieur sa ou te en face mouvement King lan. Quelques politiciens conservateurs tout nan sud pays a pas de vle wè King. Yo te considéré monsieur comme un monde qui mette pays a nan la trouble. Quelques membres FBI, même directeur FBI nan époque là, Edgar Hoover, te considéré Martin Luther King comme yon menace pour l'ordre social dans le pays. Et malgré King te gen tout groupe sa en face, li pas jamais peur poursuivre ak lutte là. Et qu'on y a là, nous pourrions arriver en 1968 pour la mort Martin Luther King. Attendez. En février 1968, King levé et li allé Memphis dans Tennessee pour al courir de monsieur dame qui t'a fait une grève dans ville là, ouvrier noir, t'a fait manifestation pour ti cal l'argent t'a payé par rapport à blanc et puis pour condition travail pas de bon même. Pour ça, en mars 1968 King pral participer à qui dans manifestation. Et en avril encore, King pral tourner encore. 3 avril, il pral prendre avion direction Memphis. Bon, il vient dans l'aéroport, il gon alerte bombe sous et avion t'a pral monter là, voler en retard. Mais il arrivé, il était jeune actif
activité a été loin avec tout ça les gars faire discours quand même. Et là c'est après le dernier discours tout King Tapal Bay dans Mason Temple qui c'est siège mondial Église de Dieu en Christ. Dans Memphis King a frappé, c'est dans discours ça tout Tapal rappelé Mounio plusieurs tentatives yo fait d'elle de déjà pour touyer King fin bay discours ça, il viré, il est allé dans hôtel li et Lorraine Motel dans Memphis. Il était dans chambre 306. 4 avril 1968, il levé, t'es gain Samuel Bill Cades qui était là tout. King font petit pencher sous balustrade balcon devant chambre, l'a parlé avec Jis Jackson. Et puis, il entendait bao 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 balle parti. Rapide vite Martin Luther King touché dans visage, il tombé blip. Balle la rentre dans visage, il crase toute mâchoire, il passé la dodo dans épaule li. Et rapide vite yo prend King là, yo courir l'hôpital ensemble avec lui pour opération faite, tellement balle la te en fait dégâts. Et là à 7h05 p.m. dans 4 avril 1968 là, dans l'hôpital Saint-Joseph dans Memphis, Martin Luther King mourit à 39 l'année. Après, yo fait enterrement King, yo enterré dans le cimetière Southview dans Atlanta, mais en 1977, il a transféré Squaw dans une tombe dans le parc historique national Martin Luther King Jr. Après la mort, sa population a été prise là, écrasée, brisée dans Washington DC, dans Chicago, dans Baltimore, dans Kansas City, n'importe 10 villes te viré tête en bas. Kounia, Martin Luther King mourit, il a été tiré sous lui, il faut que vous fassiez enquête pour connaître ce qui passé. Quête lancée, 2 mois après la mort, il a été arrêté, il a dit c'est lui-même qui a fait crime là. James Earl Ray. Yo jeune monsieur qui t'a bat pour te sauver la gueule dans Canada avec un faux passeport. Déjà c'était un monde qui t'est sauvé dans prison. Yo prend monsieur al mené dans Tennessee. 10 mars 1969, li pral avoué et yo pral condamné à 99 l'année prison. Après Ray pral faire connait si un homme qui relit Raoul, li te jeune dans Canada qui t'a pral monter complot pour al tuer King. Et c'est en 1998 à 70 l'année Ray t'a pral mourir. Mais faut que me dit nous yo pas jamais arrivé joindre et raison claire qui pousserait tetouye King là. Yo pensé James Ray te gen leader raciste de tête li ki fè te fè. Et qu'on a pas de plusieurs théories dans la ria sou cause ça. Le fait que si un seul moun yo te colté dans la mort King là, ça va vinn bay place à plusieurs théories. Déjà avocat Ray pral di yo konnen mais c'est pareil qui fait quoi? Yo juste mettez échalla sous dol pour capable fermer dossier. Il y a des autres moun qui pral déclarer que c'était témoin, coup de balle qui était parti yo te sorti dans l'autre direction, c'est pas dans fenêtre là avocat de King te campé là, mais yo joine empreinte Ray sous scène et crime là. Donc, il va le voir jeter théorie ça. Il y a l'autre théorie qui va le venir tout. Il va le dire c'est Lord Joe qui crase King. Il fait qu'on est Lord Joe qui recevoir 100 000 dollars pour organiser la mort King. Et en l'an 2000, enquête sortie, il n'y a pas une preuve qu'il y ait dossier avec Joe. Après, il va le conseiller Joe qui va le dire c'est lui qui a créé l'histoire ça pour le vendre pour 300 000 dollars américains. Et même, il y a une thèse communiste dans la cause. En 2002, New York Times va le rapporter qu'il y a un pasteur, Ronald Denton Wilson, qui va le dire c'est papa Henry Clay Wilson qui crase King. Li di papa te pense King si te yon communiste, li te vle éliminer grain sa. Mais on va jouer une preuve vraiment Denton était bay sous dossier. L'autre théorie pour aller venir, pour aller gagner rapport avec gouvernement américain, on va dire c'est gouvernement qui crase King. Avocat famille qui c'est William Pepper dit gouvernement te trempé fort dans la mort King. En 2003, Pepper pour aller mettre un document sous enquête sous cause ça. Yo wè King ti yon ti jan embarrassant, alors yo crase ça. Donc dans genre de cas ça yo les gros leaders ça tombé. Il est difficile pour qu'on seule vérité sous dossier. Donc, dans le cas ça, c'est bon Dieu, King avec mon guidou est là, qui a connaît, qui j'en ça t'est passé. Pour vie privée, en 1953, c'est avec Coretta Scott, Martin Luther King t'a pas le marié. Coretta, tout est venu militant. En 2005, Coretta t'a fait un stroke, il est venu paralysé. Il est venu pas de capaler. Après 5 mois, il a pas le mourir parce qu'il est venu faire un cancer dans l'ouvert tout. Avec King, Coretta t'a gagné 4 petites. Yolanda, qui fait en 1955, il mourit en 2007, Martin Luther King III qui fait en 1957, Dexter Scott qui fait en 1961, li mouri en 2024 et puis Bernice qui fait en 1963. Yolanda, Martin Luther King III, Dexter Scott, King, tout ça c'était militant, militant pour droit moun et militant en question bête. Quant à pour Bernice lui-même, c'est un avocat, lui-même tout le activisme l'a frappé. Pour héritage Martin Luther King, yo di ou pendant 13 années, King fait avancer cause noyau dans question légalité dans pays États-Unis. 350 l'année qui était passé au pas de café. Il y a plusieurs lois, bataille joue là-dedans pour venir tant que Civil Rights Act, Voting Rights Act avec Fair Housing Act.
toujours dit à la Martin Luther King considéré tant qu'un icône mondial pour lutte pour question justice sociale, pour genre leadership li inspiré et moun pour stratégie non violence qui mettait en place là et puis pour sacrifier pour cause ça yo malgré gros menaces, arrestation, prison, pas de rien qui était campé Martin Luther King. En 1983, Ronald Reagan qui était président des États-Unis signe une loi qui bail jour férié fédéral en hommage à Martin Luther King. C'est en 1986 que premier célébré jour ça qui baptisé Martin Luther King Day. C'est dans l'année 2000 jour férié ça pour le fêter dans toutes 50 états États-Unis. Voilà pour Martin Luther King. Ça te carré autant de noms ou pas vraiment qu'à faire différence tout entre Martin Luther King là avec Martin Luther. Donc c'est deux personnalités différentes et je dis à la mais pour comprendre et pour qui ça non Martin Luther King là rete dans l'histoire qui travail il était fait. Donc n'a pas campé là, pas oublier partager cette vidéo ça pour l'autre monde tout pour capable apprendre et n'a croisé dans l'autre fois dans l'autre petite vidéo. C'était Will qui tout simple pour communauté. Peace.